Bonjour, je m'appelle Ilias Koudjid, je suis en première STI2D et ma matière préférée c'est le sport. Bonjour, je m'appelle Yassine Abdrak, je suis un élève de première STI2D. Ma matière préférée c'est le sport. Marcel Oudard, je suis en première STI2D à Delambre et ma matière préférée c'est le sport. Bonjour, je m'appelle Karim Batouré, je suis en première STI à Delambre et ma matière préférée c'est le sport. Bonjour, je m'appelle Erwar Tanguy, je suis en première STI2D et ma matière préférée c'est le sport. Alors je m'appelle Perron Clément, j'ai 19 ans et je suis en BTS électrotechnique. J'ai choisi cette formation pour pouvoir acquérir plein de choses en étant à l'école et aussi en entreprise, donc D'accord. que ce soit intellectuel ou professionnel. L'éco-proposé, donc après, langue vivante. Déjà, premier temps, il faut savoir parler Okay. anglais parce que pour les notices et tout ce qui s'ensuit. D'accord. Après, bah, technologie, physique, français. Après la formation, on peut déjà devenir chef d'équipe, responsable de chantier dans l'industrie principalement, ou plein d'autres débouchés après. Hein, ça dépend des formations qui sont apprises. Donc Moi, mon entreprise, elle s'appelle Acerel, donc c'est de énergie et process, donc elle se trouve à Gravenchon, donc c'est du côté de Rouen, le Havre par là. Déjà, j'avais un bon CV, je les ai intéressés, et puis ils ont très bien vu mon intérêt de voir les choses et de pouvoir faire avancer l'entreprise. Travaille un peu comme eux. D'accord. Je fais exactement comme eux. Je peux raccorder des moteurs, des variateurs, faire de l'automatisme, un peu de tout, quoi. OK. Elles sont dans le but de pouvoir t'embaucher par la suite. Donc leur but à eux, c'est de te garder tout le restant de tes études en alternance. Donc que ça soit D'accord. après pour une école d'ingénieur en alternance, une licence professionnelle en alternance, et puis pouvoir après, à la fin de tes études, t'embaucher. D'accord. Voilà.